Backstreet, la vidéo, c'est beau. Résumé du Koh-Lanta de vendredi dernier en replay parce que je n'ai pas pu le voir. Constance avec Marie Renaud ont un spectacle qui s'appelle Gerbe d'amour au théâtre de 10h les vendredis et les samedis. C'est super. Et j'y suis allé vendredi dernier parce que samedi j'étais en dédicace. Donc le live de Koh-Lanta est en différé cette semaine. Voilà. On m'a dit qu'il était bien. On va voir. Oh, mais je peine à y croire, il y a une murène. Murène. La preuve qu'il ne se passe pas grand chose dans Koh-Lanta, c'est quand Denis Brognard dit « Il a utilisé son collier d'immunité pour rien. » Et deux minutes plus tard, dans le même résumé, « Et il a utilisé son collier d'immunité pour rien. » Et là, tu le vois qui dit « Je vais utiliser mon collier d'immunité. » Et là, il parle encore du collier d'immunité. Il y a des épisodes qui ont été peut-être durs à boucler. Hein. Julie, c'est quand même la seule... Bon, elle se plante. Hein. C'est elle qui doit trouver le collier d'immunité. Elle le trouve. Et un mec trouve le même mot en même temps qu'elle. Et du coup, il décide de le partager. Mais partager un collier d'immunité qui est valable que pour une seule personne, c'est débile. L'épreuve de la bouffe! Qu'est-ce que je fais de beau? Je regarde la télé de beau. C'est parce que je plie mon linge en même temps. Eh oui. Une vidéo, regarder Koh-Lanta et plier son linge, trois choses en même temps. C'est comme ça qu'on gagne du temps. Et je baise en même temps. Enfin, je me baise. Du coup, mon linge, je vais le relaver. Ouah, celui qui gagne, il peut dire qu'il va sur l'île au trésor. Donc si Benoît gagne, il peut gagner l'anneau et aller en finale. Ah, Julie, elle va pas chanter en mangeant un scarabée. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Une blatte? Ah, elle vomit dans sa bouche. C'est indispensable. Quand vous terminez, vous tirez la langue. Ah, Julie, elle le prend dans sa main. Elle fait juste... Oh non, non, oh non, non. Et les autres, ils pouffent, ils avalent. Elle a juste touché les ailes. Ça, ça, il le mange pendant longtemps, hein. Ça doit être très dur d'avoir du cartilage. Benoît, allez. Ah non. Candice. Alexandra. Alexandra. Benoît. Benoît. Un verre de coco vivant. Benoît. Oh, une araignée. Non. Oh, oh putain, une migale. Oh putain, une migale. Ah non, non. Non. Oh non! Oh putain, elle mange les pâtes! Elle mange toutes les pâtes! Oh, oh c'est dégueulasse! Putain, Benoît va gagner! Benoît! Oh non! Ouais, oh, mais l'œil c'est moins grave que la migale quoi! Vas-y Benoît! Mais je crois que l'œil c'est hyper dur à bouffer! Vas-y Benoît, putain! Putain, Benoît il peut avoir l'anneau! Tout se mange. Ça, c'est une épreuve de Koh-Lanta que je voudrais pas forcément faire. Mais c'est là où je pourrais peut-être m'en sortir, donc je pense que je le ferai pour impressionner les gens. Mais alors, l'araignée, là, je pense que j'aurais fait genre... Benoît ! Il va aller sur l'île. Il va voir l'anneau, putain ! En ce qui s'agit de la récompense, là on est vraiment sur de la faute de français au niveau. Julie, ambassadrice de la paix. Putain, tu la verrais à l'ONU, en train de leur chanter « Libéré, délivré ». Je sais pas ce qu'ils ont dans Koh-Lanta, dès qu'ils vont dans des villages et qu'il y a des gamins, ils se mettent à chialer, ou ils sont hyper attendris. Alors peut-être que j'ai un problème et que j'aime pas les enfants, je sais pas, mais je comprends pas ce truc tout de suite, dès que tu vois des mômes, fait genre « Oh !» Et pleurer quand tu les as vus alors que t'as passé 6 heures avec des gosses, quoi. Je comprends pas. La meuf, elle la lave avec son t-shirt. Franchement, s'il y a un prix à gagner à Koh-Lanta, je trouve que c'est le prix des pizzas. Ou des burgers. Aller dans un village, voir des enfants, des petits chiens et des meufs qui te lavent avec une casserole. Je sais pas. C'est pas ce qui me fait rêver dans Koh-Lanta.
Elle me frottait, elle passait sa main sous mon soutif, dans ma culotte. Elle riait, c'était vraiment agréable. Je suis carnivore, mais je suis pas bestiolivore. Et Julie, forever. Il a trouvé la dernière balise. Benoît va vraiment tout péter. Il l'a trouvé. Ce serait trop bien qu'il y ait une énigme pour ouvrir le coffre, comme dans les jeux vidéo, tu sais. Oui, j'ai fini de plier mon linge et maintenant je mange. Alors, regarde un Koh-Lanta. Trois choses en même temps. La base. Putain, il est finaliste. Il va revenir sur l'île avec son anneau. Et là, il y a Denis Brognard qui va dire « Attention, tout le monde a le droit de voler son anneau s'il s'endort ou s'il ne regarde pas. » Et le mec, il va passer le pire Koh-Lanta de sa vie. À dormir loin, dans des arbres, loin de l'île. Ça serait trop bien. Je vote pour ce Koh-Lanta. Koh-Lanta, l'île des enculés. Beryl a un tempérament de petite folle. Un tempérament de petite folle. Pourquoi pas? Putain, Benoît, il a inventé un truc de ouf. Il ne dit pas qu'il a la bague d'immunité. Donc il perd l'immunité. Il essaye qu'un membre de son équipe gagne l'immunité. Et il va dire à tout le monde qu'il a trouvé 9 balises pour qu'on vote contre lui. Et donc après, il pourra mettre la bague et donc ça annulera les votes contre lui. Si ça marche, parce que quand on fait plusieurs choses en même temps, genre manger, se filmer et regarder la télé, on salope ses vêtements. Ouais. Du coup, il va falloir que je relave mon linge que pour de bon, là. Je plane sur un nuage. Je pense que tu as mélangé deux expressions. Julie, j'ai un truc à te dire, mais c'est secret. J'ai l'anneau. Non, arrête, s'il te plaît, ne fais pas des têtes comme ça, s'il te plaît. Tout le monde va voir sur ton visage que j'ai l'anneau. Un bébé, c'est pur, c'est un ange, ça donne tellement d'émotions. Julie, tout à l'heure, je me moquais des gens qui pleuraient parce qu'ils voyaient des bébés sur l'île. Elle imagine ce qu'elle aurait pu ressentir en voyant le bébé parce que les autres parlent qu'elles ont vu un bébé et elle pleure. Et après, ils parlent du bébé chiot, des chiots. Et Julie, il la reprend. Et des bébés chiens. C'est pas possible de vivre aussi bien la vie. Je suis jaloux en fait. Je suis tellement jaloux. Putain, si elle gagne l'épreuve d'immunité, pour leur stratégie, pour qu'elle marche vraiment bien, faut que Candice gagne l'épreuve d'immunité. Bon, elle est forte et en plus c'est un truc de patience, donc elle peut gagner, mais... Putain, si tout se passe bien, ça serait vraiment cool. Leur plan, il est génial, quoi. Benoît même a voulu faire croire qu'il se battait, mais il a glissé dès le début, il a été éliminé dès le début. En fait, ils sont. En fait, là, l'épreuve, c'est qu'il y a deux planches de bois, incurvées, et ils se tiennent à la force des bras et des jambes, en fait. Mais là, ça s'élimine très vite, hein. C'est très dur. Bon, Ludivine, mais bon, elle, de toute façon, elle fait jamais de jeu. Non seulement le plan des rouges se passe sans problème, mais en plus Candice, elle aurait pu rester des heures entre ces planches là. Putain, c'est ouf quoi. Oh non! Oh non, pas Beryl! Non! Oui, je suis en train de faire le loufoque de mercredi prochain en même temps. Le mec, ils assurent le mec que Benoît il l'a pas, alors que l'autre elle réfléchit. Alexandra, elle est vraiment intelligente. Et les autres, ils font non, non, non. On fonce dans le panneau. Julie qui va chercher des huîtres. Tout le monde s'en fout. Fait, eh ben, si c'est ça, les huîtres, je les mangerai toutes seules. Que ce soit la Benjamine ou le doyen, ou les gens qui ont l'âge au milieu, tout est possible à Koh-Lanta. Ah, Denis, j'ai eu un truc à dire. Les jaunes l'ont dans le cul. Benoît. Non comptabilisé. Denis va pas arrêter de dire ça. Benoît. Putain, Benoît. Il a bien géré. Hein. Mais la prod aussi. Hein. Ils ont mis que les bulletins de Benoît au début. Pour pas qu'on voit qui partait. Là, les jaunes, ils sont en train de se dire « Ah là là, qui va partir ?» Péril.
Putain, Beryl. Je vais venir dédicacer à Nantes, Beryl. Et si tu veux, après ma dédicace, on pourra aller photographier des chevaux ensemble. Voilà, ce résumé de Koh-Lanta est terminé. Merci. À très vite. Hey. Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh. Oh. Oh, mais t'es une fille. Ah non. Pourtant, que la montagne est belle.